évidemment, tu sais. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, le vlog 17. C'est un truc de fou. J'arrive toujours pas à y croire. Aujourd'hui, on est à la maison, donc je fais un peu de rangement. Je m'apprête à passer un moment avec le Seigneur avant que Noémie revienne à la maison pour du coworking. J'ai vraiment besoin de passer du temps avec Dieu. Je disais, j'ai vraiment besoin de passer du temps avec Dieu en ce moment parce que je sens que j'ai besoin d'avoir ma batterie intérieure se recharger. Et c'est génial de faire des vlogs tous les jours, c'est génial d'avoir les amis qui viennent à la maison, etc. À un moment donné, en fait, j'ai juste besoin de me retrouver avec Dieu et de, tu sais, genre, revenir à l'essentiel en mode, ok Seigneur, ben... qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui en fait? C'est quoi le planning, Seigneur? Parce que moi j'ai mes plans, mais c'est quoi tes plans à toi? Et juste parfois de mettre en fait de la musique, de la louange, et m'asseoir dans mon bureau avec mes carnets et mes stylos, ça me permet juste de revenir à la base. Je relis souvent les choses que j'ai écrites à Dieu, les lettres, les prières que j'ai faites. Et parfois ça fait juste du bien en fait de réaliser tout ce que Dieu a déjà fait en fait, toutes les choses qu'il a déjà faites dans votre vie. Et d'ailleurs ça c'est le thème de la vidéo. Tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta vie au moins une des prières que tu as faites à Dieu il y a quelques années. Et je trouve ça tellement fort de se dire que en fait Dieu est fidèle. Si je devais donner une chose sur Dieu qui me touche le plus dans ma vie, je dirais que c'est sa fidélité parce que dans chaque domaine de ma vie, en fait, il a toujours été là. Et parfois, c'était vraiment des moments où je le méritais pas. Quand j'étais adolescente, que je suis tombée dans l'anorexie, quand je me suis détournée de lui parce que quand j'étais au lycée, j'étais un petit peu la fille rebelle et que je voulais en faire comme ma tête. Je revois en fait tous ces moments et je revois Dieu et je revois son amour pour ma vie, même si moi, je comprenais pas tout, il était là. Regardez qui voilà! Encore, toujours, et elle me suit partout. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Noémie? On fait une lettre ouverte à Dieu, non? Je vous présente le séminaire des Noqués. Saisis ton identité en Christ. C'est un séminaire qui a révolutionné notre vision de Dieu avec mon mari. Et en fait, à l'intérieur, Christine Noqué et son mari nous parlent de la prière d'écoute. Donc, comment en fait être à l'écoute de Dieu? C'est juste fabuleux. Quoi? C'est trop gênant. Mais non, il n'y a pas de... Ah, j'ai cogné la tête. Ils nous suivent depuis un mois quand même. C'est vrai, c'est vrai. Quotidien. Ils ont vu nos moments de down, ils ont vu nos moments de joie, ils ont vu nos moments de bêtises, ils ont tout vu. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon, ouais. La prochaine étape, c'est qu'ils te voient sans maquillage. Genre, mais bon, même moi, j'ai pas encore vu. Donc là, je vais appeler Méloé. Ah, mais c'est Méloé. Elle nous a vu. C'est bon, Méloé, il chire. Méloé! Hi! Oh, petite mignonne. Alors, c'était chaud, non? En vrai, dans le tram, ça allait. Malgré qu'il y ait la terre entière dedans. C'est backstage de la vie réelle aussi, tu vois. Absolument. Vous n'êtes pas d'accord pour dire que les choses les plus simples sont souvent les meilleures? Quelle belle journée! Avec les filles, on avait vraiment envie de se promener, de se balader avec nos animaux, juste pour profiter de ce beau temps, de cette chaleur en fait finalement, qui n'était pas si étouffante que ça. Je sais pas vous l'été, comment c'est de votre côté, mais ici il fait pas si chaud en réalité. Donc c'était vraiment agréable, on a pu marcher, discuter, rigoler, profiter de l'été quoi. C'est pas ça en fait les meilleurs moments finalement? Vous avez vu la dernière fois l'intérieur avec la cuisine, la salle à manger et la terrasse. Et là en fait c'est la maison de l'extérieur. Donc nous sommes arrivés à la Daily House. La Daily House. Bienvenue. Les amis, nous avons un problème. Il est 21h54 et je n'ai pas encore posté le vlog du jour. Vraiment, je suis en retard. Je me suis dit, oh, allez, j'aurai une heure de retard. Mais là, rien ne va plus. Donc j'ai un peu regardé la télé, je me suis reposée, j'ai un peu enlevé toute la pression. Et maintenant, on va aller faire du vlog. Sauf que... sauf que, est-ce que vous vous souvenez de l'ampoule qui a grillé? Il n'y a plus de lumière dans cette pièce. Si ce n'est la lumière de ma ring light. Wouh!
Là, vous avez vu des anges, là. Essayez de continuer le montage et tâchez de le sortir et de ne pas dormir à 2h du matin parce que demain, on se lève tôt, les copains. Les amis, nous sommes sur une fin de journée. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vais juste conclure avec la petite morale de ce vlog. C'était, on est tous en train de vivre une prière qu'on a faite avec Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que en regardant ce vlog, tu t'es venu découragé en te disant mais moi Dieu, j'ai l'impression qu'il m'écoute pas, j'ai l'impression que à chaque fois que je prie, à chaque fois que je lui demande quelque chose, bah, ça arrive jamais, etc. Et moi j'aimerais t'encourager en te disant mais regarde ta vie aujourd'hui et compare à la personne qui était il y a 5 ans. Compare à la personne qui avait des rêves, qui avait des ambitions, qui priait certaines prières il y a 5 ans en arrière. Et tu vas vite fait réaliser que tu es au moins en train de vivre une de ces prières. C'est vraiment fort en fait de se dire que bah, parfois on vit notre vie chrétienne et on se rend pas compte que Dieu agit, que Dieu est vivant dans nos vies, qui nous encourage, qui nous fortifie chaque jour en fait. Réellement, le souffle de vie c'est tellement un cadeau et j'aimerais juste rendre gloire à Dieu au travers de cette vidéo pour la vie qu'il nous donne, pour les rêves qu'il met en nous, pour les prières qu'il exauce, parce que Dieu est fidèle et c'est vraiment le message que j'aimerais te dire aujourd'hui. Donc que le Seigneur te bénisse, je prie pour toi qui regarde ce vlog, que tu puisses être encouragé, que tu puisses être fortifié, que tu puisses réellement sentir l'amour de Dieu pour ta vie, que tu sois croyant ou pas, que tu sois tombé sur cette vidéo par hasard ou pas, que Dieu puisse venir toucher ton cœur et se révéler à toi si tu ne le connais pas encore. Au nom puissant de Jésus, Amen. Sois béni.